Donc vous êtes enregistré mais pas vraiment filmé. Moi je vous ai raconté un truc dégueu, sinon c'est pas drôle. Des jeux de 100 ans. Alors le natto, ça se mange au petit déjeuner. Ah bah c'est sucré, alors. Petit déjeuner. Non. Ah. Ils mangent ça avec du poisson séché et du riz. Ah bah déjà le poisson et du chien caramel. Puis c'est tout gluant. On va attendre un petit peu. Ça se voit là comme ça. C'est toxique. Mais on va pas mourir, j'espère. Si. Il y a un petit film plastique. Non, c'est pas par là. Protégé. C'est pas par là. Dans les vidéos, faut faire un trou là, prendre la baguette et faire ta baguette et du cuir ensuite. Oh. Ça me trompe pas. Voilà. Oh, vous avez ce petit film plastique. Bah, du coup, il y a plein de fils. Il y a plein de fils. Oui, il y a plein de fils. C'est, bah, c'est pour ça qu'il faut pas faire ça. Non. On est obligé de manger. Oui. Non, vous n'êtes pas obligé. Ok, ouais. Bah, je vais manger quand même. J'ai tout seul à manger. Moi, j'ai envie de vomir là. Je peux revoir un peu. Il faut enlever le film. Et rien que quand vous l'enlevez. Ah. Ah. Mais comment on mange ça? C'est le truc. Tu m'abandonnes à le manger toute seule, je te tue. Alors surtout, vous ne le recrachez pas dans la poubelle. Je ne veux pas de cette chose dans ma poubelle. Il va couler et le faire... ma poubelle, elle va prendre feu cette nuit si je mets ça dans la poubelle, ça fermente. Vous crachez dehors, mais dehors, là où la pluie peut aller laver cette chose. Je vois ce truc qui pue. T'as fait crever la moitié de mes fleurs. Alex, merci de nous avoir fait terminer par ça. Alors, je voudrais tes impressions sur l'expérience que tu viens de vivre. En filmant son dessin. Ah bah oui. T'as filmé notre réaction ou pas? Bah non, je peux pas filmer ta tête. Mais non, mais moi tu peux, hein. Moi je suis d'accord. Mais non, mais même si t'es d'accord, t'es mineur. Je suis majeure en 3 ans. C'était formidable de voir les gens. Mais pas 2 ans. Bon, et silence parce que je vais écouter ses réactions. Bah en fait, demain je vais pas aller à l'école. Si tu vas dire à tes profs, bah, j'ai mangé du natto, ils vont dire oh purée, mec, force à toi, on comprend. Et que je pense qu'on cache dans la nourriture de dernier repas des prisonniers avant qu'ils meurent. Pour leur ôter tout goût à la vie. Voilà, je pense que je vais commencer à en manger 50 paquets la veille de mon brevet blanc. C'est-à-dire dans 2 semaines. Parce que je veux ne pas pouvoir y aller. Je vous ai rapporté du natto. De quoi? C'est pas une sorte de nougat ou je sais pas comment? Ah non, pas du tout. Je vous explique. Donc ça se conditionne dans une petite barquette comme ça. Ça se mange froid. Et après, on l'ouvre. Et ça pue. Et ça pue. Ça pue. Vraiment. Je regarde si ça pue. Ça pue de la merde. La pisse. Mais c'est sucré, c'est salé. Ah, tu vas voir, c'est indéfinissable, c'est ignoble. Hein. Ouais. Bah, c'est gentil. En fait, bon, ça sent pas la pisse, ça sent le café. Ça sent le café? Rappelle-moi de ne pas boire un café chez toi. Hein. Et là, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air pas mal. Du gingembre. Je vais prendre un petit. Quoi ça? Du gingembre. C'est quoi ça? C'est pas c'est sucré. Du quoi? Je sais pas, elle achète des trucs, elle sait pas ce que c'est. Ah non, moi je sais pas ce que c'est. Hein. Je pense que c'est des cacahuètes autour, parce qu'ils mettent beaucoup de poudre de cacahuètes. Tenez, pour ceux qui ont des goûts à faire passer, je sors la On a compté pour la dégustation là? Oui. Ah. Mais c'est resté combien de temps dans la ce truc? Ça a le goût de pain. Moi, ce que j'aime pas, c'est la sensation avec les fils qui te collent la bouche, tu vois. C'est pas si pire que ça. Après, de toute façon, t'en as pas mangé, toi. Pour ça, c'est aux cacahuètes. Des mochis, mais c'est pas des mochis fourrés. Vous êtes que 4 à avoir mangé du natto. Ah ben, en fait, la bande de lâches dans ce groupe. Bon appétit, hein. Quelles ont été vos impressions sur la dégustation du natto? C'est quoi? Dégoûtant. Ça m'a donné envie de vomir. C'était pas ouf. Mais après, à la fin, c'est un petit goût. Les petits haricots verts, là, c'était pas terrible, mais ça allait quand même sur la fin, c'était mieux. Les natto, c'est franchement pas bon. Pas très mauvais, mais bon, à la fin, c'était pas bon. C'était horrible. J'ai failli vomir. Donc t'as aimé, toi? Oui. Bon, bah très bien. C'est dégueulasse. Mais en vrai, j'ai eu un mochi, ça va. Pour pas voir vos petites têtes.
Pourquoi tu peux pas? Parce que vous êtes trop moche. Donc ça s'appelle du natto. Moi, j'ai déjà goûté, j'ai dit. T'as déjà goûté ça? On va se touiller. C'est quoi les petits... Et c'est le drame. Mais Chloé, les choses qui collent là, c'est du fromage? Absolument pas. C'est quoi? C'est quoi? C'est de la moisissure. Ok. Moi j'aime bien son odeur. Mais Chloé, je suis pas obligée de goûter? Non, t'es pas obligée. Pour qui la bonne cuillère? Oui, je tiens, vas-y. Fais attention de pas en faire tomber, hein. Que ça pue tellement, j'en veux pas dans l'atelier. C'est bon. Bah le natto, au début c'est bon, mais après à la fin, j'aime pas trop. Dégueulasse. C'est du natto, ça se mange le matin au petit déjeuner. Oui, c'est bon pour la santé. C'est très très bon pour la santé. Elles sont belles tes baguettes. On dirait que du café en fait. Ouais. Moi je vois du café. Bah moi je trouve pas si fort que ça. Ça doit être de la agar-agar et puis c'est tout quoi. Oui. Ça n'a vraiment aucun... Non, c'est de la farine de riz. Ça? Alors, quelles sont tes impressions? C'est particulier. On doit pas avoir même pas les japonais, quoi. Ça fait voyager. Personnellement, je suis pas sûre que j'en mangerai tous les jours. C'est vrai que ça a du goût. Un rappel de café. Alors moi, bah, j'ai bien mâché. Merci. Et j'ai trouvé le goût du café. Alors, de goût, de gêne, et oui. Vous tombez à pic, vous allez en goûter aussi. Oui. J'ai vu des vidéos d'un mec. C'est de la ligo japonais. Et sans fromage. Tu trouves que ça sent bon? Mais j'ai trop faim avec ça. Tu me donnes trop envie. Tu peux tout manger si tu veux. Oui. Tu veux manger d'abord avec les baguettes? Ah bah ouais, j'ai... Ah, c'était pas bon. C'était pas bon. T'as pas d'imagination en fait. Ah, c'était pas bon. C'était délicieux, j'en mangerai des tonnes. Voilà. Non mais j'ai tout dit. C'était incroyable. Wow. Un adepte. Vraiment. Et tu l'as fini du coup la boîte? Bah oui. À chaud, c'est très particulier. La texture en bouche, très surprenante. Et le goût, j'y reviendrai pas. Vous n'êtes pas obligé de goûter. C'est fort à la fin. Ah ben, il y a un arrière-goût où t'as un peu une haleine de chacal jusqu'à la fin de la journée. Et donc, c'est leur petit déj, ça. C'est du natto. C'est un truc bizarre japonais. Du coup, t'as quand même bien mangé, t'as goûté des trucs. Ouais, j'ai goûté des trucs. Merci en tout cas. C'est particulier. Après, je dis pas que j'aime pas, mais c'est surprenant. C'était bon, mais j'en remangerai pas. Moi, j'ai plutôt aimé la texture, du coup. Je trouvais que c'était assez original. Et puis le goût, c'est vrai qu'un peu, un peu amer, quand même. On mange ça tous les matins. Oui. Ah oui, mais vraiment, par contre. Hein. Ah oui, ça, c'était impressionnant. Oui, et puis c'est très bon pour la santé. Quoi? Ce truc, c'est dégoûtant. Pas bon du tout. Non, il y a un arrière-goût super fort. Moi, j'ai failli vomir deux fois.